j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Alors ça va être un petit vlog je pense aujourd'hui, on va un petit peu se préparer, se chouchouter, etc. J'ai déjà commencé un petit peu ce matin, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait un masque et tout, je me croirais comme au spa, j'ai fait les épilations, j'ai tout fait là, j'ai vraiment tout fait. Et on va aller se maquiller, se préparer pour ce soir parce que j'ai une petite soirée qui se prépare. Il y a mon papa qui est arrivé sur Paris aujourd'hui, du coup je vais aller le voir, je vais aller voir Birdie aussi. Donc voilà, j'ai reçu aussi un petit collier, j'aimerais le tester donc avec vous. C'est un collier de maquillage, donc c'est pour ça que je voulais vous prendre aujourd'hui pour qu'on teste ensemble une petite marque assez sympathique. Enfin, j'ai déjà commencé un tout petit peu à tester avant vous, parce qu'il y avait vraiment des petits produits assez sympathiques. Bien, donc on va s'installer ici, comme ça il y a une meilleure lumière, je trouve, que dans la salle de bain. Vous savez, je suis assez blanche dans la salle de bain, c'est pas ouf. Donc j'ai reçu un petit colis de la marque We Makeup. C'est un colis de maquillage qui est adapté à ma carnation de peau, à ma carnation des yeux, des cheveux, etc. En gros, tu fais un petit test sur leur site internet où tu dis la couleur de tes yeux. En gros, après, ils te recommandent un set. Et moi, c'était le set automne. De toute façon, moi, ça me plaît. Hein, j'adore les couleurs qu'ils proposaient. Du coup, j'ai reçu deux petites boîtes comme ceci. On va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, j'aime trop! En gros, on va pouvoir faire notre petite palette de make-up nous-mêmes avec des petites couleurs comme ceci que tu pourras mettre dans la palette. Donc dans la palette comme ça, je trouve ça super bien. On a quand même pas mal de pinceaux et ce qui est bien, c'est qu'ils te disent derrière à quoi ça sert. Alors déjà, dans le premier colis, j'ai reçu donc des petits pinceaux pour les yeux. Ils ont vraiment des super jolis poils, enfin c'est super doux, donc ça c'est vraiment cool. On a un petit goupillant qui est très pratique et un petit pinceau biseauté pour les sourcils. Vous pouvez même faire le trait d'eyeliner, je pense. Hein. Donc ça c'est plutôt pas mal, en plus on avait besoin d'un et je suis super contente d'en avoir reçu. Ensuite on a des petits fards que je vais installer dans la palette juste après. Et ensuite nous avons tout ce qui est pour la bouche. Et j'ai déjà testé quelques-uns, je vous avoue, parce que moi j'adore tous les produits bouche, c'est trop mes produits préférés. Donc moi j'ai beaucoup aimé leur packaging, leur pack primaire comme ça, c'est super joli. En fait voilà, vous avez des petits packaging comme ça, je trouve ça super joli. Vous avez le nom des teintes juste là. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. Donc j'essaierai peut-être de vous faire des swatches, comme ça vous pouvez un petit peu mieux voir. Mais j'ai reçu pas mal de rouge à lèvres, de liquide mat aussi. Et en fait à l'intérieur, oh, j'aime trop. Je sais pas si vous allez voir le raisin comme il est joli. Il est marqué oui. Je trouve ça trop joli, c'est super joli. J'aime beaucoup celui-ci, en plus la couleur est trop belle. Voilà, j'adore le côté transparent et tout, franchement c'est super joli. Donc j'ai reçu un eyeliner pen, j'ai trop hâte de voir comment il est. Mais c'est trop bizarre. Ah, je pense qu'ils doivent vendre les cartouches aussi sur leur site. Donc c'est une cartouche, ok, comme un stylo. Bah oui, pen. Je chiale, ils ont vraiment pris ça au pied de la lettre. Oh, mais c'est génial. Des feutres comme ça, donc c'est des feutres à poil. Ensuite un petit mascara, celui-ci je l'ai déjà utilisé. Le mascara c'est un peu aléatoire, hein. Moi je préfère avec des poils, là c'est avec des picots, ça ne va pas trop avec mes cils. J'ai reçu donc un lipstick rouge et le crayon qui va avec. J'ai déjà testé les deux, ils sont vraiment géniaux, ils tiennent très bien. Un lipstick brown, enfin Gordon Brownstone, dans la teinte numéro 5 avec le crayon et le lipstick qui tiennent encore une fois très bien, je vous le conseille vivement. Ensuite j'ai reçu les deux rouges à lèvres comme ça, avec enfin des rouges à lèvres vraiment super jolis, avec la teinte 5 et la teinte Borges, un rouge et un petit brown comme ça, super joli. J'ai reçu aussi un gloss pailleté comme ceci. J'adore les packagings, je les trouve vraiment trop beaux. C'est vraiment super joli. Et j'ai reçu aussi un crayon pour les yeux marron. Ça, j'en utilise beaucoup. Donc, hâte de tester aussi. Ça, les gars, c'est mon chouchou. J'adore. Il est génial. Je pense que vous voyez, je l'ai déjà utilisé beaucoup de fois. Ça va faire 2 semaines, je crois, que je l'utilise. Il est génial. C'est un gloss. Et je crois que c'est l'un des meilleurs gloss que j'ai testé de toute ma vie. C'est un gloss en fait qui fait vraiment un effet glossy et qui repulpe un petit peu plus les lèvres. Ça picote pas beaucoup, mais ça picote un tout petit peu, vraiment tout petit peu. Et ce qui est bien avec ce gloss, c'est que tu sais, quand tu parles, t'as pas les pâtés, vous savez, les petits pâtés que ça peut faire et tout, t'en as pas, t'as pas des petits fils, c'est pas dégueulasse en fait. Et ce qui est cool, c'est que quand ça se...
Enfin, s'évapore, mais ça se sèche un petit peu. Mais en fait, ça fait comme un baume pour les lèvres. Je vous jure que mes lèvres étaient beaucoup plus réparées avec ça qu'avec un baume pour les lèvres. Genre vraiment, mes lèvres étaient toutes douces avec ça. Je vous le conseille vivement. Ça, je peux vous le conseiller vraiment. Ça, n'hésitez pas à tester. Il est génial, 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 génial. Je vous le conseille à 1000%. Moi, je l'ai adopté depuis un bon 2 semaines. Donc ça, vraiment foncé. Il est vraiment génial. Je vais préparer un petit peu mon teint. Je vais pas faire grand chose. Hein. Je vais juste mettre un petit peu de correcteur, etc. Et on va attaquer le make-up. J'ai donc fait mon teint hors caméra, je sais pas si vous entendez, mais il y a Zeus qui est pas content là. Il y a Poséidon et Zeus qui sont en guerre. Du coup, je vais utiliser le petit pinceau pour mes sourcils parce qu'ils n'ont pas de produit à sourcils de ce que je vois. Enfin, ils m'ont pas envoyé. Donc, on va tester ça. Et ben, j'aime beaucoup ce petit goupillon. Il est très très bien. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Il est vraiment très très bien. Donc on va attaquer les yeux, j'ai fait ma petite palette comme je vous l'avais dit, j'ai fait ma petite palette là comme ça. Les couleurs elles sont vraiment trop trop belles, franchement je trouve ça magnifique. Donc on va voir si ça tient, si c'est bien sur les yeux ou pas. On va utiliser les petits pinceaux, voilà, de la marque Oui Makeup. Je vais utiliser la première teinte, donc juste là la beige. Je chiale. La beige pour mettre donc sur toute ma paupière mobile. Donc on va vraiment unifier. Et c'est vraiment de la même couleur que ma paupière. Hein. Vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire comme make-up? Ah, le vert, il est vraiment joli. Hein. Ah ouais, j'aime trop le vert. Donc je vais prendre le même pinceau. Je vais utiliser le petit kaki qui est juste là. Pour essayer d'intensifier mon regard. Donc j'espère que ça va bien s'estomper. Parce que les couleurs comme ça foncées, si tu te loupes... Oh, c'est trop beau. Si tu te loupes, en fait, après, c'est fini. Alors le pinceau, il est pas assez... fluffy, pas assez gros pour bien estomper. Là c'est vraiment un pinceau très précis. Je pense que j'en ai un autre de pinceau pour un petit peu plus estomper, mais en tout cas celui-ci il est vraiment bien pour tout ce qui est précision. Je trouve qu'il est vraiment vraiment parfait. Donc ça a un tout petit peu plus intensifié mon regard. Je vais prendre aussi la petite couleur qui est juste là pour mettre vraiment au ras de cils pour encore plus intensifier mon regard. Et après on va appliquer le vert et on va estomper avec un autre pinceau parce que celui-ci il est un petit peu trop petit pour estomper. En tout cas c'est bien pigmenté, enfin c'est pas trop pigmenté mais c'est pas... Enfin c'est ajustable en fait, donc ça c'est vraiment cool. Donc on en est à là pour l'instant, je trouve que ça intensifie vraiment mon regard. Donc on va appliquer maintenant le petit vert et on va estomper. Donc on va appliquer le magnifique vert qui est juste là et on va donc... l'appliquer au doigt parce que les genres, ce genre de couleur là faut toujours pour moi l'appliquer au doigt et après on va venir estomper. Ok, donc là j'ai appliqué grossièrement le fard vert, donc on va l'estomper avec un plus gros pinceau que celui-là. Celui-ci il est un peu trop petit pour moi, donc on va l'appliquer avec un autre pinceau que j'avais déjà. Et j'espère que ça va pas trop enlever la couleur en estompant. Donc on va rajouter un petit peu plus de foncé dans le creux, donc le même que celui de tout à l'heure, hein, celui-là, dans le creux pour rajouter vraiment de l'intensité au regard. Je vais prendre ce pinceau-là pour mettre en dessous de la matière. En plus, comme je vais en soirée tout à l'heure, bah ça sera parfait. Alors on a aussi un tout petit pinceau. Donc moi, ce genre de pinceau, j'utilise pour mettre au creux de paupière un petit peu de lumière. Donc j'ai utilisé peut-être celui-ci là. C'est un beige vraiment un peu pailleté et tout, il a l'air super joli. J'espère que ça va apporter un petit peu de lumière. Oh non, je pensais que ça allait faire un beaucoup plus. Non, je trouve pas qu'il apporte de... Enfin, il n'apporte rien du tout d'ailleurs. Non, je ne suis pas très d'accord là, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre celui d'à côté, donc celui-ci au milieu là. Voilà ce que ça donne sans mascara, le petit vert et tout, je trouve ça fait assez joli. J'aime beaucoup. Donc on va pas mettre le mascara de cette marque là parce que je l'ai déjà testé, je l'aime pas du tout. Donc j'ai utilisé un autre mascara qui sera beaucoup mieux pour ça, un mascara en plus waterproof comme ça. Voilà, le mascara est mis, je trouve ça trop joli, vraiment c'est trop joli. Du coup là pour les lipsticks, je trouve que ça va être un peu trop pour ce maquillage assez chargé. Donc je vais mettre mon petit lip plumper comme ils le disent. J'adore ce... je l'adore, il est trop trop bien, il est incroyable. Il est hyper... on dirait un baume pour les lèvres, il est vraiment génial. Il est magnifique, il est trop trop bien, il est hyper confortable sur les lèvres, il est pas collant, il est vraiment...
Ça, c'est un truc à acheter. Vraiment, ça, je peux vous le conseiller à 1000%. Les lipsticks, là, les liquid lipsticks, ils sont vraiment géniaux. Je les ai testés, ils sont crémeux, ils sont bien. Ils tiennent super longtemps en plus. Donc ça, je peux vous le conseiller vraiment. C'est génial, ceux-là. J'ai pas encore testé ces petits rouges à lèvres-là, mais de toute façon, je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos. Le mascara, pour moi, c'est un flop parce que ça ne me convient pas. L'eyeliner, j'ai pas testé, mais j'aime beaucoup le concept. Donc voilà, écoutez, pour le petit make-up, on va faire les cheveux, on va essayer de se préparer. Faut que je filme aussi une autre vidéo là. Mais j'aime beaucoup trop. Déjà j'aime beaucoup les couleurs, je trouve que c'est assez joli. Et au niveau de mes yeux, les yeux marrons, on peut tout mettre comme couleur. Et je trouve ça trop trop beau, vraiment, je trouve ça trop joli. Bon voilà, j'ai fait mes cheveux, j'ai même fait des petites couettes. Comme ça, ça faisait un petit peu mignon quoi. Donc on va tester les petites tenues. Là j'ai une dégaine, je suis en pyjama, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. J'aime trop moi cette petite couette et tout avec... Ça fait très très joli je trouve. Après il faut que je détende les boucles et tout là. Je les laisse se refroidir un petit peu. Après je passerai ma main dans mes cheveux pour casser un petit peu les boucles. Mais j'aime trop. Bon, on va essayer de trouver une tenue pour ce soir, une tenue pour un anniversaire. Bon, j'ai fait mes essayages pour la vidéo que vous allez voir bientôt, je pense mercredi. C'est un haul Jennifer que j'ai fait une collaboration avec eux et vous allez voir les pépites que j'ai trouvées sur leur site. J'en remarque que j'ai beaucoup acheté chez eux, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, après le Covid, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu il n'y a pas eu des pièces qui m'ont donné envie, c'était très teenagers, etc. Et là, je trouve qu'ils se sont un petit peu plus renouvelés dans les vêtements. En tout cas, j'ai trouvé vraiment des belles pépites avec de la bonne qualité et tout. Du coup, je vous montrerai ça mercredi. Et j'ai fait mes petits essayages. Il y a un petit haut comme ça qui est magnifique. J'hésite à le mettre ce soir et tout avec une petite jupe blanche ou je sais pas. Mais en tout cas, j'aime trop ce haut, il est super joli. Donc je sais pas encore si je mets ça. J'ai vu une robe blazer trop belle aussi. Une robe blanche. Franchement j'hésite de fou parce que j'ai les yeux assez chargés. Du coup il faut un truc... Soit on y va à fond en mode vas-y, on y va en mode pump it up. Soit on y va en mode subtil. JPPO. Donc je vais essayer celle-là. Je vais essayer la robe orange. Comme ça vous allez voir ce que ça donne. Cette robe, je la trouve tellement jolie. Attendez, je vous baisse un tout petit peu. En plus, j'ai du vert sur les yeux. Ça peut peut-être rappeler, je sais pas. En tout cas, j'aime trop cette robe. Elle est trop jolie. Celle-là, elle est trop belle. Ce orange est trop joli. Je suis pas assez bronzée pour ça. Mais en tout cas, elle est trop jolie. Vous voyez un petit peu dans le miroir et tout. Elle est vraiment incroyable. Mais je pense pas pour une soirée, peut-être pour une soirée un peu plus classe, BCBG, mais pas pour un anniversaire. Puis il y a celle-là qu'il faudrait que je repasse, mais je sais pas. Non, en vrai, je préfère la verte avec une petite veste en cuir perfecto et tout. Vas-y, on fait ça, on va mettre ça avec des talons. Voilà, je me suis réhabillée dans une tenue un peu plus confortable. Au moins, on a trouvé la tenue, on est prête, on est maquillée, on est coiffée, donc ça, c'est bon. Et vous pouvez voir que le gloss, en fait, s'est évaporé au fur et à mesure. Ça fait plus de 2-3 heures que je parle, là, enfin, que j'ai vaqué à mes occupations. Et vous voyez, il est en forme de baume. Il est hyper crème, enfin, il est hyper... ouais, il est en texture de baume. Et du coup, c'est vraiment... Enfin, moi, j'adore. Au moins, c'est pas... inconfortable sur la lèvre, t'as pas la petite marque, vous savez, là, sur les lèvres, dégueulasse, ça me dégoûte. Au moins, c'est... Voilà, j'adore ce baume, j'adore ce gloss, voilà, j'adore. J'ai fait aussi une petite commande chez Sephora, je me suis acheté quelques petites choses que vous allez bien kiffer, je pense. J'ai racheté la poudre Anastasia Beverly Hills, je l'avais reçue dans un calendrier de l'avant il y a très longtemps et j'avais adoré. Du coup, bah, j'ai pris la grosse parce qu'à chaque fois, on me dit sur les photos que j'ai l'air très très blanche. Et je pense que c'est à cause de ma poudre qui a un petit peu un effet flashback, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que l'Anastasia Beverly Hills, elle a pas cet effet flashback. Donc peut-être dans les futures photos que je vais faire avec les gens, je serai pas blanche comme un cadavre. Voilà. J'ai repris un scrub parce que j'en ai pas de la marque Olen Erickson. J'ai le masque, j'ai toute cette marque-là. C'est vraiment génial. Je peux vous conseiller, c'est génial. Donc c'est un scrub vraiment parfait pour le visage. Il est très très bien, je vous le conseille vivement. J'avais moins 25% sur tous mes achats sauf Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, n'hésitez pas. Des fois, quand vous avez des promotions, ça marche sur Olen Erickson. J'ai pris ensuite la petite gamme d'auto-bronzant de la marque Saint-Tropez. Donc il y avait un petit truc comme ça avec un gant, avec une brume comme ceci et une mousse pour en tant qu'auto-bronzant. Donc je l'ai fait sur les jambes. Bon, je sais pas très bien appliquer, il y a quelques petites traces, mais franchement pour une première c'est plutôt pas mal. J'avais les jambes très très blanches et là
c'est d'une couleur normale, si je peux le dire, hein, voilà, parce que je suis blanche comme un cadavre, moi vraiment, et là avec le petit auto-bronzant, ça fait du bien à ma jambe, ça donne un peu de vie. J'ai pas testé la brume, j'ai acheté en fait les petites gouttes de chez... Enfin, je vais vous chercher, attendez. J'ai donc acheté ça, c'est les gouttes, vous savez, de Hills of Paradise. Donc, il faut en mettre 2 à 3 gouttes dans ta crème hydratante. Après, tu l'appliques le matin ou le soir, c'est comme tu veux. Et moi, j'en ai appliqué 2 gouttes dans ma crème hydratante. Et je vous jure que j'étais vraiment très, 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 très blanche. Et là, j'ai eu une couleur de peau un peu plus acceptable. Vraiment. Là, en fait, j'ai pas de fond de teint. Les couleurs que vous voyez, c'est vraiment la couleur de ma peau... bronzé entre guillemets. J'en appliquerai demain matin 2-3 gouttes encore pour vraiment accentuer ce bronzage au fur et à mesure. Je préfère le faire au fur et à mesure que tout d'un coup il ressemble à une carotte. En tout cas, ça je peux vous le conseiller, c'est vraiment très très bien et j'ai eu moins 25% dessus. Et le petit packaging il est trop mignon. Donc voilà pour ma petite commande Sephora, je suis trop contente, j'aime trop les petits produits, ça va me permettre un petit peu d'avoir de vie sur mon visage parce que vraiment je suis trop trop blanche et c'est une catastrophe. Genre tout le monde pense que je suis malade, que je suis ceci, alors que non, c'est juste la couleur de ma peau qui est comme ça. Et j'en ai un petit peu ras le cul que tout le monde critique ma couleur de peau. C'est vraiment gonflant, vraiment vraiment vraiment. Oh t'as l'air malade, t'as l'air fatiguée, t'as l'air ceci, t'es blanche machin. Je sais que je suis blanche, merci, c'est ma couleur de peau, on est tous au courant. Enfin ça se voit, je suis pas noire, je suis pas métisse. Je sais que je suis blanche, je sais que je suis très très blanche, c'est ma couleur de peau, c'est comme ça. Ça veut dire que je suis très très blanche, que je suis malade, non. Donc là en fait j'en avais vraiment ras le cul, j'en ai un ras le bol, vraiment ras le bol. Du coup j'ai acheté ça pour un petit peu donner un peu de vie à mon visage. Et bizarrement, personne me dit que j'ai l'air fatiguée, tu vois, donc c'est fou, hein, les critiques des gens, ça te rentre dans le cerveau et ça te fait acheter des choses comme ça pour ressembler à quelque chose, pour pas avoir l'air malade. Parce qu'en fait, j'en ai tellement marre de leur dire « va te faire bip », j'en ai marre de tout le temps les envoyer chier. Du coup, j'ai plus de force d'envoyer chier les gens, voilà, j'en ai un peu marre. Donc je me suis acheté ça. Et en tout cas, j'aime bien, enfin voilà, j'aime bien avoir l'air bronzée, etc. Ça me dérange pas. J'aime bien avoir l'air bronzée, je trouve ça joli. Donc voilà, ça fait une pierre deux coups. Donc voilà, j'ai un petit peu faim. Je vais pas tarder à y aller en plus parce qu'il est 18h là, 18h moins le quart. Donc je vais manger un petit coup. Et après, je vais y aller. Bon, nous sommes le lendemain. Oh, à la caméra, c'est horrible! Attendez, on baisse la luminosité, je vous jure que je sens pas ça en vrai. Oh à la caméra, j'ai tellement de traces, mais en vrai, je vous jure, j'ai pas de traces, je vous jure, les amis. Attendez. Je vous jure qu'en vrai, il n'y a pas de traces. J'ai mis de l'auto-bronzant hier. Non, mais attendez. Il y a un peu moins de traces déjà à la lumière du jour. Les voisins doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai mis de l'auto-bronzant, attendez. Ah, regardez la couleur. Je crois que j'en ai un petit peu trop mis. Mais c'est pas grave, on ressemble plus trop à un cadavre visiblement. Bon, parlons bien, parlons peu, parlons français. Ces derniers jours, je ne vais pas du tout bien et ça me fait chier de pas apporter cette joie de vivre et ce bonheur, ce côté solaire que j'ai de base avec vous. Même sur Instagram, etc. Je pense que vous avez vu que j'étais un peu plus distante et tout sur Insta. Sur YouTube, j'essaye vraiment d'apporter la bonne humeur, mais je vois que je suis pas bien. Je suis très 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 malheureuse, vraiment. J'ai eu une semaine très difficile. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. La première, déjà, ma chienne ne va pas du tout bien. Les médecins disent qu'elle est en parfaite santé, mais moi je vois qu'elle va pas bien. Je vois qu'il y a un problème et je ne sais toujours pas ce que c'est. Ça me casse les couilles de pas le savoir. De deux, j'ai subi une espèce de trahison amicale qui m'a énormément, énormément affectée. Je ne vais pas en parler maintenant, je pense que je pourrais un petit peu plus en parler d'ici 3 semaines, 1 mois, le temps que je redescende, que je reprenne mes esprits, que voilà. Parce que c'est un sujet qui est très important, je trouve, et que beaucoup de gens sont touchés par ça. J'ai été dévastée, j'ai été... Je suis tombée de 15 étages, j'étais en état de choc quand j'ai appris certaines choses, quand j'ai lu certaines choses. J'étais tellement pas bien que j'ai roulé toute la journée. Vraiment, j'ai pas dormi pendant 48 heures quasiment et j'ai fait que rouler. Parce que moi, quand je vais pas bien, je roule en voiture, je vais sur des autoroutes et que Dieu m'amène quelque part, voilà, vraiment. Et j'ai tellement roulé
J'ai tellement réfléchi, j'ai tellement pleuré. Si vous savez, tellement, tellement, tellement j'ai pleuré. Je savais même pas que j'avais encore assez d'eau dans mon corps pour pleurer. J'étais épuisée mentalement, j'étais épuisée physiquement. Le jeudi, c'était vraiment horrible pour moi. Vraiment, c'était trop. J'ai eu un trop plein, j'ai eu trop. Et c'est pas normal de pas être bien pour une personne, pour ce genre de choses, c'est pas bien. Mais le problème, c'est que moi, je suis trop entière. Je suis sensible aussi, je suis très sensible avec les gens que j'aime. Les gens qui m'importent peu, franchement, on peut m'insulter, on peut me dénigrer, j'en ai strictement rien à faire. Mais quand c'est quelqu'un que j'ai choisi, quand c'est un ami, quand c'est... voilà, c'est trop en fait. L'amitié pour moi, c'est le truc le plus important. Plus important que la famille et l'amour, parce que l'amitié, je te choisis toi. La famille, on choisit pas, les amours, on choisit pas, mais l'amitié, je choisis. Et malheureusement, j'ai choisi la mauvaise personne. J'avais tellement foi en cette personne, je croyais tellement en cette personne, tout a explosé. Vraiment, pendant plus d'un an, une relation qu'on construit, etc., est partie en fumée. Tout n'était peut-être que mensonge, je sais pas. Et ce genre de sentiment que j'ai, cette boule au cœur, cette boule à la gorge là, c'est quelque chose qui j'en ai marre de subir, j'en ai marre de ressentir. Et malheureusement, à cause de ce genre d'épisode-là, on devient de plus en plus méfiant, on a moins confiance aux gens. Et vous voyez ce truc-là en mode « ouais, j'ai pas envie de m'ouvrir à quelqu'un d'autre par peur de souffrir ». Cette chose-là, je déteste la voir parce que la vie, elle est tellement courte qu'il faut tellement la vivre à 100% que... moi j'y vais, je fonce, même si j'ai un mur à la fin, je m'en fous, je fonce et je souffre. Et de toute façon, dans tous les cas, on se relève toujours. Mais là, je suis dans cette période où bah, je me suis pris le mur en question, je suis en train de souffrir. Et maintenant, il faut laisser le temps au temps de me reconstruire moi. Et je veux pas être dans une phase après ça, après cette reconstruction de je veux plus m'ouvrir aux gens, je veux rester hautaine et froide comme les gens le pensent. Je veux plus que les gens viennent dans ma vie et me parlent. J'ai mes amis. Et ça me suffit amplement, j'ai pas envie de m'ouvrir aux autres. Et j'ai pas envie de ça. Voilà, j'ai pas envie de ça. Parce que ça me ressemble pas. Moi je suis quelqu'un de très solaire, très jovial. Et être comme ça qu'avec mes amis et pas avec les autres, ça me correspond pas. Mais malheureusement je suis dans une... je sais pas comment le dire, mais je suis destinée à être comme ça en fait. Pour éviter de souffrir et ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. J'ai vu aussi pendant cette période là que j'étais très très bien entourée. Et ça c'est le plus important. Vous savez, quand on est dans une période où tout va mal, on se concentre que sur le point négatif, le petit point noir, mais on voit pas tout cet amour autour de soi, toute cette gentillesse, toute cette pureté en fait autour de soi. On le voit pas, enfin on le voit, mais on se concentre trop sur le négatif et c'est pas ce que je veux à l'heure actuelle, mais malheureusement c'est le cas. Là je vais rentrer dans une période de partiel. Je suis même pas concentrée pour les partiels, j'ai perdu 4 jours, j'ai perdu 4 jours à pleurer. J'ai laissé le choix à cet ami en question de reconstruire les choses, de prouver que cette relation était importante à ses yeux. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je me suis repris un autre mur. Tu sais, on te met un petit couteau dans le cœur et on le retire et là on le remet et on le tourne, tu sais, ça fait pouf. Et c'est exactement ça. Il y a les partiels, il faut se concentrer sur les partiels et s'il faudra faire quelque chose, s'il faudra arranger les choses, peut-être un jour, bah ça se fera. Pour l'heure, je suis fatiguée, vidée, déçue, triste. Et surtout, j'ai un amour tellement pur qui a été noirci en fait. Vraiment noirci, j'ai le cœur vraiment noir. Ça a été trop noirci. On dit toujours de moi que je vis dans un monde en rose, tout blanc, d'une pureté, etc. Et que je veux pas voir le négatif parce que si je vois le négatif, bah on n'avance pas dans la vie en fait. Et j'essaye de croire aux gens, j'essaye de croire aux personnes. Mais malheureusement, des fois on se prend un mur et ça fait trop mal. Et là, à l'heure actuelle, je suis trop sombre. Mon cœur est trop noirci. J'ai un manque d'objectivité, là j'ai un manque de believe in magic, comme je le dis si bien. Et ça me fait mal en fait. Et donc c'est pour ça que je suis pas bien. Je suis malheureuse. Vous vous souvenez quand j'étais au mois de janvier, que j'étais en train de pleurer, j'étais pas bien, bah c'est pour cette même personne là. Ça fait deux fois que je souffre. Deux fois de trop. Et il faut
faut que j'avance. Je laisse la possibilité de me prouver les choses. Mais je vois qu'en face de moi, il y a pas l'envie en fait. Et je sais que beaucoup de gens traversent la même chose ou ont traversé la même chose. Il faudrait que j'en parle et que je fasse une vidéo là-dessus pour avoir des conseils aussi. Là, à l'heure actuelle, les conseils, on peut m'en donner, je ne les suivrai absolument pas vu que je suis trop comme ça. J'ai pas une vision assez large. C'est chiant, je déteste en fait être comme ça, je déteste apporter de la négativité comme ça sur YouTube. Moi, je suis là pour vous divertir, mais c'est vrai que montrer la vraie vie, la réalité des choses, c'est toujours mieux que de faire semblant. Hier, j'étais heureuse, j'étais bien, et je me suis pris un mur dans la gueule après. Je me vois pas vous dire que je vais bien, que c'est super, que tout le monde va bien, alors que c'est faux. En plus, là, je vais être en période de partiel, donc je vais essayer de me reconstruire moi-même. Je vais essayer d'être focus. Mais voilà, en tout cas, vous avez une vidéo hier, donc mon retour de course. Aujourd'hui, la vidéo, donc celle-ci. Et mercredi, vous aurez une autre vidéo. Mais après, je reviendrai, je pense, après le 10 mai, le temps que mes partiels se passent, etc. Je suis vraiment désolée parce que moi, c'est vraiment une passion YouTube. C'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose que j'adore vous lire, j'adore échanger avec vous, j'adore tout ça. Et là, je suis frustrée de pas le faire, je suis frustrée de pas... Ouais, je suis frustrée en fait. Ça me... Tellement que cette histoire me noircit, ça me gâche mon plaisir de YouTube. Et c'est pas normal. C'est pas du tout normal. C'est pour ça que je veux avancer et je veux retrouver cette joie. Même si au début, ça va peut-être mettre un peu de temps. Hein. Ça peut mettre un mois, deux mois, six mois, j'en sais rien. J'espère que ça va être très 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 rapide. En tout cas, après les parcelles, déjà, je serai un peu moins stressée. Je serai un peu moins... Voilà, je pourrai un petit peu plus souffler. Et puis les masters aussi me prennent beaucoup la tête. J'ai toujours pas eu de réponse. On est à une semaine des entretiens, j'ai toujours pas de réponse. Ah si, j'ai eu un refus d'Assas en marketing. Mais bon, Assas, voilà. Je voulais pas y aller dans tous les cas. Mais voilà. Voilà pour le petit mot de la fin. C'est un peu triste, hein, j'avoue, c'est pas ouf. En plus, je ressemble un peu à une carotte. Mais là, ça va, on dirait que j'ai un beau teint, non? Je suis morte. Je suis naturelle, en plus, j'ai pas mis fond de teint. On dirait que j'ai bonne mine. Alors que je suis juste au bout de ma vie, là. Vous devez vous dire un coup, elle va bien, un coup, elle va pas bien. Elle est chiante et tout. Ouais, franchement, je suis chiante, les gars, je vous jure, c'est chiant d'être sensible. Hein. En fait, je suis forte et sensible, c'est horrible, vraiment. Vraiment, c'est casse-couille, c'est vraiment bipolaire, ce truc-là. Donc, écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que bah, ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, et à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos de ces juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mercredi.